Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris pour les mois de janvier et février. Je vais commencer par la rubrique beauté avec une petite chose que j'ai archi kiffée. C'est un gommage à mixer que j'ai reçu dans la Botanical Beauty Box du mois de janvier, la box de chez Yves Rocher. C'est un gommage à mixer. Donc en fait, il y a 100% des ingrédients qui se trouvent dans cette petite boîte sont naturels. Vous voyez, j'ai commencé à l'utiliser quand je l'ai reçu. J'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. C'est un gommage. En fait, vous mettez juste dans votre nettoyant habituel. Vous en mettez vraiment très très peu, genre un ongle. Ça suffit pour faire effet. Vous l'utilisez peut-être une ou deux fois par semaine, pas plus, parce que notre peau, elle a pas besoin d'être nettoyée de façon très profonde trop souvent, parce que sinon ça va venir l'agresser, ça va la rendre très sensible. Et cette petite chose est juste géniale parce qu'en fait ça me permet de garder ma routine de soins sans forcément devoir changer 15 000 fois de produit. Ça va juste venir améliorer mon nettoyant et c'est tout bénef. Donc c'est une petite chose que je recommande beaucoup. Deuxième petit produit que j'ai vraiment apprécié ces 2 derniers mois, c'est un contour des yeux de la gamme Propolia de cette marque-là. Je l'avais reçu dans la box Evidence du mois de janvier. Alors moi, je suis pas du genre à utiliser beaucoup d'anti-cernes ou pour la fatigue du regard. Je suis pas trop cernée. Bon, je manque un petit peu d'hydratation, ce qui fait que bah, malheureusement, j'ai les petites tridules de la trentaine qui commencent à arriver. Donc bon, je m'en suis jamais vraiment trop préoccupée. Pour moi, ma crème de jour, ça me suffisait. Et en fait, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette petite chose. En plus, elle a une petite bille en métal. Et en fait, le matin, c'est un soulagement, ça réveille le regard. Je trouve que ça a vraiment un effet coup de froid qui est très, très agréable. Le produit, il sent super bon. Moi, j'aime beaucoup. Et rien que l'appliquer, ça fait vraiment, c'est rentré dans ma routine quotidienne, que ce soit le matin ou le soir après les maquillages. Pareil, une fois que je suis bien démaquillée, que j'ai bien lavé tout ça, j'aime bien m'appliquer cette petite chose. Ça m'apaise beaucoup le regard, moi qui travaille sur ordinateur. Toute la journée, je suis sur un ordinateur. Ça va venir vraiment m'apaiser le. Ça m'apaise vraiment les yeux, le regard. Enfin, ça me fait un bien fou. Donc il est à base de gelée royale, de bleuet, de marron d'Inde. Il y a d'autres choses dedans, mais j'ai plus la boîte, donc je ne pourrai plus vous dire ce qu'il y a. De toute façon, je vais vous remettre comme d'habitude en barre d'infos le lien vers cette petite chose. Il est vraiment top. La quantité, ma foi, est quand même assez raisonnable. Il y a 15 ml, mais moi je l'utilise depuis le mois de janvier et vraiment, il y a vraiment un tout petit peu de produit qui est utilisé. Donc je pense que c'est vraiment un achat raisonnable pour les. Ouais, pour soulager votre regard et tout, c'est une petite chose qui est top. Autre produit que j'ai reçu dans la Botanical Beauty Box, il s'agit d'un shampoing non moussant de la marque Yves Rocher. Alors, je vous avoue que quand je l'ai reçu, j'étais assez contente parce que ça faisait très longtemps que je voulais tester un shampoing non moussant. Et après, je me suis dit, ouais, mais s'il mousse pas, en fait, truc totalement stupide, je me suis dit, si ça mousse pas, c'est que ça lave pas. Donc je l'ai essayé et en fait cette petite chose c'est juste une perle, j'adore. Moi je m'applique, comme j'ai les cheveux quand même qui sont quand même relativement secs à cause de mes décolorations, j'utilise un shampoing et ensuite un masque. Et alors ça me fait sauter l'étape du masque en fait. Donc quand vous l'appliquez ça fait vraiment, ça a cette texture-là de masque et ça va venir, mais dès que vous l'appliquez ça va venir hydrater le cheveu, ça va venir le réparer. C'est un truc, alors j'en ai déjà utilisé beaucoup, après je fais pas beaucoup de shampoing, je me lave les cheveux peut-être une fois ou deux par semaine parce que j'ai pas une tendance à surgraisser, tout ça, donc j'essaye de changer de shampoing fréquemment histoire de leur apporter des choses différentes. Et ça donc c'est vraiment du bonheur, c'est une crème lavante. Donc il est idéal pour tout type de cheveux, il est sans sulfate, sans silicone, sans colorant, sans parabène. Il est à base d'extrait d'aubépine et il contient plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc rien que ça, je veux dire, c'est du bonheur pour vos cheveux, c'est un très 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 bon produit. Je pense que Yves Rocher est peut-être passé un petit peu en désuétude ou est une marque qui était peut-être un peu vieillissante ou qui avait peut-être parfois. On ne peut pas dire qu'Yves Rocher est de très très bon. Il y en a qui sont pour, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Mais je pense que vraiment c'est une marque qui gagne à être
un peu reconnue, un peu à remettre un petit peu au goût du jour parce qu'elle a vraiment des produits formidables. Là, je vous dis, deux produits, c'est ces deux produits-là, je les ai adorés. Celui-ci, le petit gommage, c'était vraiment des petites choses qui sont vraiment géniaux. Essayez de tester ça parce que c'est une petite, c'est un petit bonheur pour les cheveux. Autre produit qui fait partie de mes favoris, il s'agit d'un savon de la marque Dakini. Donc j'ai connu cette marque au salon du bien-être et de la médecine douce à Paris, qui avait lieu au mois de février. J'ai trouvé leur stand qui était vraiment trop joli. Ça sentait bon là, ça sentait bon naturel, ça sentait bon le bien-être. C'était vraiment super joli. La présentatrice était juste adorable et on voyait qu'elle mettait vraiment beaucoup de cœur à présenter ses produits. Je vous invite à aller sur leur site pour aller voir ce qu'ils font. Donc moi j'ai opté pour le petit savon au lait d'anès pour les peaux matures. Alors bon, je ne suis pas vraiment mature, hein, j'ai passé la trentaine, mais quand même. Et c'est vrai que j'ai la peau qui est quand même assez sèche et qui marque très vite les petites ridules, tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait pas me faire de mal. Donc c'est un savon à base d'huile de macadamia, de lait d'anès, d'huile essentielle de mandarine verte et de bois de hau. Donc en fait, ces petits savons sont vraiment sympas parce que, alors déjà d'une, ils vont pas venir vous agresser la peau ou la rendre très sèche parce que souvent les savons sont assez ont cette faculté de venir dessécher la peau. Là, c'est pas du tout le cas. Ils sont divinement bons. Moi, je suis très fan. Et petite astuce que la présentatrice m'a conseillé de faire, c'est en fait de l'appliquer comme me laver le visage avec et en fait de le laisser poser quelques minutes pour faire en fait un effet de masque. Ça va venir vraiment faire un effet, je sais pas, en fait toutes les huiles essentielles vont venir un peu travailler sur votre peau et lui donner tout ce dont elle a besoin. Alors cette petite gamme Dakini, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur leur site que vous trouverez juste en dessous. Ils ont une gamme de savons qui est vraiment très riche et qui peut convenir à toutes les peaux. Moi, elle m'a donné ce petit échantillon-là. Donc bon, il n'y a plus le papier autour parce que bon, voilà, j'ai commencé à l'utiliser, donc je ne pouvais pas tout garder. Et donc celui-ci est au niaouli, donc il est parfait pour tout ce qui est problème de peau. Moi, je suis comme à peu près toutes les femmes normalement, enfin, oui, normalement constituées, mais bon, voilà, j'ai 30 ans et il m'arrive encore d'avoir des petits boutons de temps en temps qui viennent me voir. Donc, je sors cette petite chose, pareil, je me fais un petit lavage de visage, je me laisse en masque, comme ça, l'huile essentielle de Niaouli va venir un petit peu traiter ces petites imperfections et les foutre dehors. Donc, après, je sais que la gamme est vraiment très riche. Il y en a pour les peaux à problème, comme le psoriasis, l'eczéma, tout ça. Il y a de l'huile, il y a du savon pour les barbes aussi. Pour ces messieurs qui veulent entretenir leur barbe ou qui veulent juste même avoir un bon savon pour pouvoir se raser. Moi, je vous avoue, elle me l'a donné en échantillon et il m'arrive de l'utiliser pour mes jambes, quand je vois que j'ai un rendez-vous et que je me suis pas rasée, je l'utilise vite, histoire d'avoir la peau nickel. Et alors j'ai une peau après derrière qui est juste très douce et c'est du bonheur. Moi j'adore. Le dernier produit de la catégorie, il s'agit d'un baume hydratant tout type de peau à l'aloe vera de la marque Melvita. Je cherchais depuis un petit moment déjà une crème qui puisse hydrater mon visage en souffrance et en mode peau de croco parce qu'il fait très froid et que je manque donc énormément d'acidité quant à mon hydratation. Je ne bois pas assez, je suis très vilaine, je sais, il faut boire, allez, 1 litre d'eau, si j'en bois même pas la moitié, c'est déjà beaucoup. Donc, faut que j'essaye vraiment de m'instaurer ça, histoire d'avoir la peau qui... Le mec qui crie quand tu la touches, t'as l'impression que c'est très compliqué. Donc j'ai trouvé ce petit produit en magasin bio et là, miracle quoi. Bon, ça il reste encore un peu sèche parce que vraiment il faut que je boive. Mais ça marche vraiment très bien. Donc je m'en applique le matin et le soir comme une crème hydratante normale. Je m'en applique le soir quand j'ai un peu plus de temps en masque, enfin pas en masque, mais en plus grosse quantité de façon à ce que ma peau boive et prenne tout ce dont elle a besoin histoire de se réhydrater. Et le matin, j'ai la peau toute douce, toute repulpée. Donc ça fait du bien. Il est certifié éco-cert, il est cruelty-free et il est made in France. Donc en plus, ce sont que des choses que l'on aime. Voilà. Dans la rubrique Tendance Green, un petit magazine qui s'appelle Let's Play on the Moon. Je vous invite sincèrement à aller voir le blog du même nom. Qui est une mine d'informations pour beaucoup de monde, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les femmes, les hommes. Il y a forcément une recette qui va vous plaire.
Les Splendid Moon, en fait, c'est un blog tenu par Carole qui a eu cette merveilleuse idée de réunir plein de petites blogueuses et dont je fais partie. Et en fait, elle nous permet de nous exprimer en vous donnant plein de bons conseils, super bio, super green, des recettes très 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 simples pour le quotidien. Ça passe par le baume à lèvres au déo ou je sais pas, la lessive, tout ça. Ce sont plein de recettes qui sont tellement simples pour le quotidien, qui vont vous faire économiser vraiment des sommes d'argent folles, et en plus vous serez en bien meilleure santé. Ma petite Carole a eu cette formidable idée de transposer donc son blog en magazine. Je trouve l'idée juste ma magnifique. Voilà, c'est un petit trimestriel. Voilà, il sort tous les 3 mois. Il est plein de bienveillance et de bonnes choses. Voilà, qu'on aime vous partager au quotidien. Donc dedans, il y a des focus sur des huiles essentielles. On a quoi d'autre? On a des recettes, par exemple, on a la chantilly de karité, le lipstick hydratant, fabriquer son baume à lèvres hydratant avec des recettes super simples. Il faut vraiment très peu d'ingrédients. Il y a quelques petites marques super green qui sont mises en avant. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit peu de coloriage, parce que le coloriage, c'est bien connu, ça détend et ça fait du bien. On a des postures de yoga pour rester en forme. Enfin bon, il y a énormément de choses dedans. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le petit site qui se trouve juste là. Donc, Let's Play on the Moon. Et vous verrez, vous retrouverez, il y a plein de recettes, plein de trucs. Et donc voilà. Autre petit magazine que j'adore aller chercher dans mon magasin de presse. Il s'agit du Vital Food. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, c'est ma copine Sarah qui m'en a parlé il y a bien un an de ça. Et maintenant, tous les 3 mois, je cours aller le chercher parce que oui, il n'est que trimestriel, malheureusement. Mais il y a tellement de choses dedans que finalement, c'est largement suffisant. Donc, c'est un magazine de cuisine. Il y a plus de 100 recettes dedans. Des recettes super simples, super bonnes pour la santé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dedans? Par exemple, il y a des raviolis aux amandes, il y a la quiche de potimarron, voilà, il y a énormément de recettes. Les photos sont juste divines, ça donne juste super envie. Ça nous donne des idées. Après, moi, j'ai pas tout fait, Et parfois, j'ai pas tous les ingrédients, mais ça donne vraiment beaucoup d'idées. Il y a du sucré, il y a du salé, il y a des graines, il y a du vegan, il y a du végétarien, il y a de la pâtisserie. Moi qui adore faire la pâtisserie, voilà, je suis juste absolue. Ce magazine est au prix de 4,50 €. Donc je pense que 4,50 € tous les 3 mois. Donc là, c'est le décembre, janvier, février. Donc j'ai pas acheté celui de mars. Donc je vais vite aller le chercher. 4,50 € pour 3 mois avec plus d'une centaine de recettes, ça vaut largement le coup. Elles sont d'une simplicité, mais ce petit truc, c'est juste du bonheur. Et en plus, c'est vraiment en fonction des saisons. Donc, moi, l'année dernière, pour l'été, c'était spécial bagels, je crois. C'est vraiment très spécifique à chaque saison, hein, heureusement, hein, parce que si on veut faire de la choucroute au mois d'août, c'est un peu chiant quand même. Donc voilà pour cette petite chose. Dans ma rubrique un peu divers, un peu entertainment, je vais dire, je voudrais vous parler de deux petites choses que j'ai vues récemment. Tout d'abord, le Crime de l'Orient Express qui est sorti en DVD au mois de février. J'ai adoré ce film. Alors, je suis une très très grande fan d'Agatha Christie et de son non moins célèbre héros Hercule Poirot. Et alors, ce film, Le Crime de l'Orient Express, je le connaissais déjà parce que j'avais vu beaucoup de versions différentes. J'avais lu le livre aussi. Et je me rappelais plus trop, en fait, la fin de l'intrigue. Donc, j'étais très très heureuse de le revoir. Mais alors, cette version-là est juste magnifique. Autant par l'esthétique que les costumes, que les acteurs. Il y a, excusez-moi, un casting de dingue. Dedans, il y a Willem Dafoe, il y a Penélope Cruz, il y a Michelle Pfeiffer, il y a Daisy Williams, celle qui jouait dans Star Wars, il y a Johnny Depp, rien que ça, qui a un rôle de méchant, mais oh, on adore le détester en fait. Enfin, moi, c'est vraiment un film que j'ai archi kiffé. Donc, il est sorti en DVD il n'y a pas très très longtemps. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille vivement.
Autre film que j'ai eu l'occasion de voir récemment, The Greatest Showman. Alors là, c'est, je pense que ça va faire partie de mes best ones, des meilleurs films, je sais pas, ouais, les meilleurs films de ma vie, mes préférés. J'ai archi, archi kiffé ce film. Alors oui, c'est une comédie musicale, il chante, il danse, tout ça, mais Hugh Jackman est juste monumental. On oublie totalement Wolverine, et Dieu sait que je l'aimais dans ce rôle-là, parce que je trouvais que ça lui collait vraiment parfaitement à la peau, et qu'il était vraiment... Bon, il est pas mal quand même, quoi, voilà. Mais dans ce film-là, il brille par sa personnalité, par l'amour qu'il a pour ce personnage. Il chante, mais divinement bien. Faut savoir que Hugh Jackman est un très très bon chanteur et qu'il adore ça en plus. Et on le sent. C'est un film qui est plein d'humanité, qui est plein de bonnes intentions. Je pense que, vu dans l'époque à laquelle on vit, ça nous fait vraiment beaucoup 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 de bien. Il est triste. Alors oui, il y a des fois où il faut un petit peu les boules quand même, parce que les musiques sont tellement puissantes, elle nous sort un peu les tripes, quoi. Donc voilà, tout est beau, tout est sublime, l'esthétique, les chansons, la danse. Zac Efron est pas mal non plus. Je pense que c'est un très très. On retrouve un peu de High School Musical, mais pas trop non plus. On voit qu'il a gagné en maturité. Donc c'est un très 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 bon film. Donc je vous le conseille fortement. Voilà pour mes petits favoris du mois de janvier-février. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez en barre d'informations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes ces petites choses que je vous ai présentées, avec les liens si vous voulez en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste là. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si c'est des produits que vous connaissez déjà et tout. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut!